Hey, salut à tous et à toutes, c'est Friand et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo détente sur Hitman Blood Money. Donc Hitman Blood Money, qu'est-ce que c'est? C'est donc un jeu vidéo créé en 2009 par je sais pas qui. Donc Hitman Blood Money, en fait, vous incarnez la peau d'un assassin qui a pour objectif d'assassiner des personnalités des méchants, en fait. C'est un gentil assassin, donc des personnes qui ont fait du mal dans leur vie autour d'eux, qui ont assassiné des gens, qui ont créé des accidents, des terroristes, des chefs de réseaux de prostitution, des réseaux de drogue, et toutes les merdes qui vont avec. Donc voilà. C'est donc nous incarnons donc l'agent secret Hitman. Donc je vais d'abord faire une petite présentation de ce jeu, voilà, donc en jouant la première mission. Tout simplement, j'espère que ça va vous plaire, hein, j'ai essayé de mettre ça en ligne avant que je parte en vacances. Et voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire, à l'écrire dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à en redemander, parce que peut-être que j'en ferai une nouvelle série donc sur Hitman Blood Money. Et je ferai toutes les missions du jeu. Alors j'ai déjà pas mal avancé, j'en suis à la moitié du jeu, voilà, ici. J'ai déjà pas mal avancé et peut-être faire toutes les missions ensemble dans une série. Donc je suis en normal et on va commencer tout de suite la première série. Alors le jeu est en anglais, donc c'est assez embêtant pour moi, bon, pour vous ça va pas trop vous poser de problème. Mais comme ma maîtrise de l'anglais est très limitée, donc certains mots je ne vais pas comprendre. D'ailleurs l'histoire je ne comprends absolument rien. Mais j'ai quand même vous laisser les cinématiques pour vous. Voilà, donc on va commencer tout de suite par la première mission, Vintage Year. Rick Henderson, first edition. He's expecting you. This way. Rick Henderson, I've been looking forward to this. As have I, Mr. Alexander. Don't let's stand on ceremony. Call me Jack. Rick. Make yourself comfortable, Rick. I'll be right with you. I admire your work. Real journalism. Thanks. I thought we'd start with your thoughts on the White House attack. Then discuss your tenure as director of the FBI, post-retirement reflections, whatever, and... Rick. Or if you want to sound off on politics... Rick, my apologies. This interview about me is just a cover for a more sensitive story. I'm sorry to have lured you here under false pretenses, but I couldn't risk a leak. I'm not sure I understand. Don't worry. It's the scoop of the century. If I had a dime for every time I heard that... Listen, please. It begins with a little incident at a vineyard in Chile that caught my eye some time ago. This was a family business. Fernando Delgado and his son Manuel. Well-liked, hard-working men. Have a look at the folder. Hello, 47. Your next target's in Chile. His name is Fernando Delgado. Used to be a colonel in Pinochet's intelligence service. Now he's running a cocaine factory under cover of a vineyard. Satellite imaging suggests the lab is underground. Fernando's son, Manuel, is on the coke trade. So to make it look like a drug hit, you'll have to take him out too. We'll get you in with a pensioner's club from Santiago, for the big celebrity unveiling of Delgado's new wine label, named for 80s B-action star Rex Stanton. Rebonjour tout le monde, désolé j'étais pas là. Alors j'espère que vous avez pas trop patienté. J'étais parti en bas chercher une petite mandarine.
clémentine, une orange en fait. Donc voilà, donc vous avez vu la cinématique, hein, donc je ne comprends absolument rien à la cinématique parce que le jeu est en anglais. Et donc on va commencer. Donc ici nous avons donc c'est l'écran où l'écran de notre agence, hein, qui nous donne donc des informations sur les cibles que l'on doit tuer. Donc voilà, nous avons donc trois objectifs, c'est de tuer Don F. Delgado, de tuer Manuel Delgado et de nous échapper, bien entendu. Alors on va prendre comment ? On va prendre le Silver Baller et le MCMG Tactical. Donc, c'est une petite mitraillette et un petit pistolet silencieux, très pratique. Je prends toujours ça, voilà, vous avez d'autres armes, un fusil à pompe, un M4, un fusil sniper, une SAF SMG, une MP5 et un Bull 480. C'est tout je crois, mais c'est tout. Start mission. C'est parti. Donc le jeu, j'ai déjà bien avancé. Je vais essayer de faire différemment que je l'ai fait la première fois. Donc cette mission je l'ai faite deux fois, une fois en normal et une fois en pro, c'est-à-dire le niveau de difficulté maximum. Je suis en normal cette fois-ci et j'essaie de faire une autre manière que j'ai faite quoi. Voilà, donc là voilà, donc c'est les deux cibles que l'on doit assassiner. Et voilà. Voici donc enfin dans le jeu, dans Hitman Blood Mode. Vous voir que les graphismes sont plutôt sympathiques, hein, il y a les ombres, tout ça. Ici voici notre agent 6, hein, Hitman, avec son joli costume cravate et son petit code barre, je sais pas si vous le voyez, à l'arrière de sa tête. Alors en faisant clic droit sur la souris, on a notre inventaire. Donc notre inventaire, on a une seringue sédative, donc une seringue pour endormir, une seringue de poison, nos deux petits pistolets silencieux, très puissants, une petite pièce pour attirer l'attention. Des jumelles, des médicaments pour nous soigner, des sortes de fils pour assassiner, et une petite mitraillette avec un détonateur et une mine. Voilà, une mine. Donc on va donc prendre notre premier costume de jardinier. Alors attendez, on va passer par là. Alors voyez, là il y a le jardinier qui guette. Je vais donc passer par l'arrière. Alors, en faisant virgule, vous pouvez voir aussi, voilà. Donc ici, on était donc ici, et notre objectif, c'est d'entrer dans ce bâtiment-là et de prendre le costume d'un garde VIP. Alors VIP, pourquoi ? Parce que les gardes de jardin, là, celui qu'on a vu par exemple, peuvent circuler que à l'extérieur des murs, alors que les gardes VIP, eux, peuvent circuler partout sur la carte. Donc on va donc devoir se procurer ce garde-là en priorité. Donc dans le jeu, il est possible d'endormir donc des personnes, il a tourné le dos, on va en profiter pour passer. Merde. Il nous a vu. Ah là oui, je vais faire une petite présentation. Juste deux minutes. Alors d'abord, je vais juste prendre le costume. Vous voyez, en bas à gauche, vous avez... Vous avez la santé et le petit point d'exclamation, c'est l'attention que vous porte votre entourage. C'est-à-dire là en vert, c'est-à-dire que personne, les gens ne vous prêtent pas vraiment attention, ne font pas attention à vous. Et quand c'est léger, donc un peu plus vert, c'est que les gens vous regardent mais ne font pas forcément attention à vous. Quand c'est orange, c'est quand vous en pénétrez dans une zone qui est interdite, une zone interdite, et ils vous demandent de rebrousser chemin, ou quand ils ont trouvé un corps, voilà. Ou quand c'est la baston. Et quand c'est rouge, et bah c'est tout simplement feu à volonté sur vous-même. Et voilà. On va donc, voilà, là on a un garde endormi ici, et là on a un garde VIP. Garde VIP qu'on va endormir. Voilà, on va prendre notre seringue. On va se précipiter et on va... Et voilà. Vous voyez, incognito. Incognito. Personne ne nous a vu. Boum, on va prendre sa mitraillette, son costume de garde, on va cacher le corps, puisque oui, on peut cacher les corps. C'est très important de cacher les corps, parce que si jamais ils découvrent qu'ils ont trouvé un corps, et bah forcément ils vont se méfier de quelque chose, et à ce moment-là, dès qu'ils vont trouver quelqu'un de suspect qui a le vêtement de la personne, et bah forcément tout le monde va être alerté. Voilà, voilà, je vais prendre la mitraillette, et on va faire donc virgule. Et ici, voilà, on est dans la maison, donc, et on a le corps donc d'un garde VIP. On peut donc circuler librement partout dans la maison, et donc assassiner les personnes que nous devons assassiner. Donc les personnes en orange, ce sont les gardes, donc les gardes à armer. Les personnes en rouge, ce sont les personnes à assassiner. Et les personnes en gris, ce sont les civils. Voilà, donc là, c'était la petite légende.
et nous devons donc assassiner cette personne-là qui se situe au premier étage. On peut voir que donc ce premier étage est gardé par trois gardes. Il y a un garde à l'entrée ici, et un garde qui effectue sa ronde, et un garde ici même. Notre cible est ici. Nous allons donc devoir, tout simplement, passer par cette porte, tandis que le garde et ce garde-là auront les yeux tournés tout simplement vers là-bas, et nous on verra ici, on va accrocher la serrure. Alors le garde, alors on va monter. Là, je suis un peu con. J'ai sans faire exprès tiré un coup de feu. Oh mon dieu, quelle gaffe. Epic fail les amis. J'ai tiré sans faire exprès un coup de feu. Alors déjà on va sauvegarder. Déjà, hop. Parce que faut sauvegarder souvent dans le jeu, hein. Parce que à chaque bêtise vous pouvez vous faire repérer. Comme là par exemple, j'ai failli me faire repérer. Donc voilà, j'ai sans faire exprès tiré un coup de feu. Je suis un peu con. Sans faire exprès, ça m'arrive souvent d'ailleurs. Voilà, l'attention retombe. D'ailleurs, on a beaucoup de chance, ils ont même pas découvert le corps. Hein. On a vraiment très chanceux. Donc on va donc passer, voilà, pour assassiner notre première cible qui se situe dans la maison ici même. Voilà, comme je vous le disais, vous voyez les gardes hein, qui sont donc ici et qui gardent cette entrée. Et on va donc devoir tout simplement. Ah, le garde qui est ici. Ah, je peux passer là. Ah, bah regardez. Ah, ils sont niais. Ah, ils sont niais. Regardez, normalement, il faut crocheter la serrure pour pouvoir rentrer. Et moi, tout simplement, la porte était ouverte. Donc, j'en ai profité pour rentrer tout simplement dans la maison. Et je suis incognito. Et voilà la personne que l'on doit tuer. Le problème, c'est qu'il y a un garde ici. Je peux pas faire autrement. Hein. Il faut que j'attende que la personne donc s'exile quelque part. Ah, bah tiens, on va se cacher dans l'armoire. Voilà, donc il y a aussi la possibilité de se cacher dans les armoires. Alors c'est très pratique puisque personne ne vous voit. Hein, vous êtes incognito. On va attendre que cette gentille personne vienne à nous. Voilà. Je vais faire une petite ellipse. En attendant qu'ils viennent. Finalement je vais vous parler un peu. Voilà. Donc concernant ma chaîne, vous avez donc dû voir, visionner à ce moment-là la vidéo que j'ai tournée donc hein, sur pourquoi j'étais absent pendant ces dernières semaines. Tout simplement je vous l'ai expliqué, donc je vais pas me répéter. voilà, j'ai essayé. Ah, nous voilà notre cible. Notre cible. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de lui? Non, il n'y a personne. Il est seul. Nous allons donc assassiner furtivement notre cible. Voilà donc Hitman dans son beau petit costume de garde VIP. Ah, et notre cible joue du vol. Écoutons ce joli petit morceau. D'ailleurs, il s'est bien enjoué. Et ce sera son dernier morceau de don. Il va payer pour les crimes qu'il a commis. Il va payer pour ce réseau de drogue qu'il a créé. Je vais vous montrer aussi un peu plus tard. Qui est situé au sous-sol, et on va donc, ce sera donc son dernier, à sa poétique que je dis, son dernier morceau de violon. On va donc le tuer. Et voilà, il est mort. Et nous n'avons pas encore été repérés. Si c'est pas beau, si c'est pas beau, et voilà, là, notre première cible est morte. Il faut donc sortir et allons tuer notre deuxième cible. Ito, nous passons dans les gardes. Une légère intention secrète. Et voilà, nous sortons. Voilà, et hop, nous voici donc dehors. Et on va donc tuer notre deuxième cible. On va sauvegarder, voilà, tant qu'on y est, sauvegardons. Merde, pas chargeons, sauvegarder. Sur la deuxième sauvegarde. Voilà, hop, et c'est parti. On recharge, pas un. Hop, la personne ici.
Hop, on va viser par la cour et on va donc tuer notre deuxième personne qui est ici même. Voilà donc la personne en rose que nous devons assassiner. Il est ici, il est en train de se servir à boire. Donc je pense que c'est un banquet qui a été organisé par la personne que nous avons assassiné. Un banquet et ce sont des invités, je pense, des convives. Voilà, notre personne, notre cible s'en va. En bas. Nous allons le suivre. Voilà. Vous voyez, on passe à quantité. On est donc dans les sous-sols de l'entreprise. J'espère que vous y voyez quelque chose. Il est seul. Il est seul. Tuons-le. Regardez, 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 regardez. Regardez. Ah, ah, je suis trop fort. Ah, j'ai tué. Je l'ai tué. Voilà, il est là. Au beau milieu du passage. Il n'y avait aucune personne à l'horizon. Il était en train de se faufiler dans les caves. Et j'en ai donc profité pour le tuer. Et il a lui aussi payé pour ses crimes. Voilà. Je vais vous montrer les réseaux de drogue, le temps qu'il découvre le corps, j'ai le temps. Enfin, il va bientôt le découvrir, je pense, dans quelques secondes. Non, c'est pas ici, c'est pas où, c'est pas là. Voilà, le corps a été découvert. Donc c'est donc ici les réseaux de drogue, voilà. Donc c'est un réseau de drogue, je pense. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, ça. Voilà, donc un réseau de stupéfiants. On va donc récupérer notre costard. Simplement on va descendre, allez hop. J'appelle l'élévateur. Le corps a été découvert, vous voyez, donc comme le corps a été découvert, vous voyez en bas à gauche l'indicateur d'intention et il augmente et il est devenu orange parce que les gens ont découvert un corps. Tiens, on va juste s'amuser un peu, voilà. On va voir le nombre de personnes agglutinées autour de ce corps. Alors moi normalement je l'ai pas tué de cette manière. Ah ouais, voilà. Bon. Alors voilà, donc normalement je sais pas de cette manière. Je vous explique, j'ai mis une bombe sur le Troy une bombe sur un fil en fait, et qui a donc actionné un Troy et une poutre est tombée sur la personne et donc elle est morte tout simplement. Mais j'ai pas fait comme ça là parce que j'ai voulu changer de méthode. J'ai donc tué de manière assez violente et discrète, très discrète même, hein, en utilisant donc le poison. Voilà, on rentre et on va. Il est con quoi. Salut. La personne elle voit tomber un mec en bas. Il doit se poser quelques questions. Voilà, je suis donc tranquillement en costume. Incognito. Et mon père qui parle derrière. La mission est bientôt terminée. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. On va donc s'enfuir. Hein. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça n'a pas été trop long ni trop ennuyeux pour vous. J'espère que vous êtes bien marré. Enfin marré, c'est pas forcément, mais bon, c'est jamais. Voilà, donc on va s'enfuir sur cet avion, hein, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites moi si vous voulez avoir d'autres vidéos de ce jeu, hein, qui est un excellent jeu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. J'espère que vous avez bien ri, hein, devant mes fails, parce que je crois que j'ai failé ou pas. Attendez, est-ce que j'ai failé dans cette vidéo? Alors, est-ce que j'ai fail? Je sais pas, je m'en rappelle plus. Je sais plus si j'ai fail. Peut-être, je pense que j'ai fail. Bon, je pense, je sais plus sur quelle occasion. Alors, j'espère que ça vous a plu. Ah oui, j'ai tiré une balle, voilà. Un fail, donc ma partie vous serait fatale. Hein. Une balle tirée, tout le monde se précipite vers vous et votre attention devient rouge, voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire si la vidéo vous a plu. Si vous voulez en avoir d'autres, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Et voilà, on va s'enfuir. Vous allez voir donc la vidéo. Il démarre le moteur. Ça me rappelle Flight Simulator. Ah, oh, Flight Simulator. Tiens, pourquoi je ne ferais pas une petite vidéo sur Flight Simulator entre quelques vidéos de File of Samurai. Alors, j'ai donc tué deux personnes. J'ai tué un coup de feu. Le coup de feu que j'ai tiré, c'était donc dans la salle là. Boyfriend, je sais pas ce que c'est. Voilà.
You're Racing Silent Assassin. C'est donc l'assassin silencieux. C'est le meilleur ratio qu'on peut avoir, je crois. Et voilà. Et voilà. Terminé. Donc là, voilà le petit journal. Comme je comprends pas l'anglais, je comprends rien du tout. Donc si vous voulez voir, je laisse quelques instants. Vous n'aurez qu'à mettre en pause. Voici, là, c'est notre prochaine cible, hein, cette personne-là. Là. Voilà, hop. Si vous voulez lire, on sait jamais. Voilà. Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On va donc se retrouver sans aucun doute sur une vidéo de la fin des samouraïs pour peut-être un live en compagnie des gens de la garde royale, hein, qui sont toujours aussi sympathiques. Voilà, sur ce, je vous dis à plus. Bye tout le monde.